résumer un petit peu effectivement le fruit de ma réflexion. Depuis le début de l'année, je me posais la question de ma dernière année de contrat. Et se poser cette question me paraissait légitime, tout à fait légitime d'ailleurs, compte tenu des 6 ans passés en Ligue 1, des 4 années passées en Ligue 2, donc 10 années à la tête de l'équipe professionnelle d'Angisco. Et comme je le vous ai dit, cette réflexion, elle a progressivement mûri. Et j'ai décidé d'arrêter en fin de saison. Mais mon devoir, c'est aussi d'anticiper, comme je l'ai toujours fait pour le club, et surtout pour respecter le club, il m'apparaissait judicieux d'en informer les dirigeants dès maintenant. Alors j'ai tenu compte de deux choses. La première, c'est que j'ai ressenti cette saison comme très difficile et éprouvante. Et en même temps, avec le staff et les joueurs, nous sommes en passe de réaliser une bonne saison, voire une très bonne saison. Mais j'ai pu vérifier que ce métier est à la fois éprouvant et passionnant. C'est pourquoi, aujourd'hui, je tiens à réfléchir sereinement à la suite de ma carrière. Alors, je sais que ça peut surprendre, mais je me suis déjà interrogé, comme l'a dit le président tout à l'heure, d'autres fois au cours de mon long bail avec le SCO d'Angers, car j'étais conscient que l'heure viendrait de se renouveler